on quitte Luanda après quelques jours d'escale et de conférences pour repartir plus au nord. Objectif le Congo. Lui, c'est Tulani, notre chef scientifique à bord. C'est lui qui élabore en partie les problèmes de station scientifique et de prélèvement. I'm Tulani Makhalenyane and I am chief scientist aboard the 14th leg of the Tawa expedition. So as the chief scientist, I take a role in planning the experiments that would happen on board at the specific leg. Un paramètre qui est très intéressant avec Tara, en fait, c'est la flexibilité qu'on a par rapport à la science. On vise des zones de prélèvement, mais finalement, on a cette capacité d'adaptation rapide en fonction des conditions. Moi, en tant que capitaine, je vais regarder comment est la région par rapport à la météo, comment est le vent, etc. Et en travaillant avec le scientifique et en essayant de bien comprendre ce qu'il souhaite prélever et dans quelles conditions, on va pouvoir créer un scénario qui est au plus près de la science pour pouvoir vraiment faire du travail de qualité. We had to design the type of onboard experiments that we'll do, and that includes which locations we will sample and the type of protocols. Bien entendu, Tulani n'est pas le seul scientifique à bord. Ils sont 5 au total et sont renforcés la plupart du temps, ou bien souvent, par le reste de l'équipage lors des manœuvres des différents instruments. En définitive, à bord, tout le monde profite de l'apport scientifique. Je m'appelle Douglas Couette et je suis ingénieur en biologie marine. Hi, my name is Mancha Malasso. I'm a PhD student and I am on board the Tara as a scientist. Moi, c'est Guillaume et je suis ingénieur océanographe, et donc je répare tous les instruments à bord. Je m'appelle Charlotte Bigouin-Demour et je suis scientifique B. Et en petit bateau, petite équipe, on est obligé de travailler les uns avec les autres. Donc on a une équipe de 6 marins, 6 scientifiques, souvent un journaliste et un artiste. Et du coup, on travaille tous, on se passe tous la main, on travaille ensemble. Les scientifiques ont besoin des marins pour déployer tout le matériel scientifique. Et nous, on sollicite les scientifiques pour dès qu'il faut envoyer des voiles ou faire les quarts de navigation.